avec CJMS 128. Et les concessionnaires Mazda du Grand Montréal présentent le Grand Prix Radio Mutuel de la chanson québécoise. Voici votre animateur, Jean-Guy Moreau. Bonsoir et bienvenue au Grand Prix Radio Mutuel de la chanson québécoise. Ça ressemble drôlement ce soir, vous allez voir, à une course automobile. En fait, c'est pas loin de la vérité parce qu'au départ, il y a 5 chansons, 5 interprètes et sur la ligne d'arrivée, il y a une voiture à gagner. Il faut bien vivre avec son temps. Moi, j'ai eu ma voiture, évidemment, comme la plupart d'entre vous, et ça ne m'a jamais empêché de cultiver une passion secrète, même avouée, pour la chanson d'ici. Et c'est le but d'un tel événement ce soir, de vous faire partager, apprécier davantage les chansons d'ici, ceux qui les fabriquent et ceux qui les interprètent. Chaque année, le Grand Prix Radio Mutuel de la chanson québécoise est attribuée à la chanson la plus populaire dans le public. Et on arrive à ce résultat tout simplement avec un sondage ICOP très scientifique, tellement scientifique qu'il y a quelques semaines, on a failli se retrouver avec 3 gagnants ex aequo. Mais rassurez-vous, d'ici la fin de l'émission, M. ICOP, qui est derrière avec son enveloppe, m'assure qu'on aura un seul ou une seule gagnante. Donc, bonne chance à tous et à tout de suite. Ce qui confirme la popularité d'une chanson, c'est que tout le monde peut la chanter. Mais la chanter aussi bien que les interprètes originaux, ça c'est un peu moins évident. C'est pourtant le défi que les artistes invités de ce soir ont accepté de relever. En rendant hommage à Joe Beaucan, à Luc de La Rochelière, à Rock Voisine, à Jerry Boulet, et pour commencer, à Richard Séguin. Et j'ai justement un télégramme qui lui vient d'un ami de Paris,
et c'est signé Renaud. Je m'empresse de vous lire avec sa voix. Alors, cher Richard, alors là, ton tube, Richard, c'est vachement accro. Il y a de quoi être addict en moins de deux. Ça allume les synapses, ça carbure, c'est bodybuildé, quoi. Ça cartonne drôlement, c'est vachement bien formaté, c'est ventilé, ça éclate, quoi. C'est la boum dans le cortex, tu comprends. Cette journée des Amerlocs, c'est battre, mon pote, et je te souhaite la bagnole. Je pense, Richard, ce qu'il veut dire, c'est qu'il te souhaite bonne chance. Sur des paroles de Marc Chabot et Richard Séguin, et une musique de Richard Séguin, voici interprétée par Marie-Michel Desrosiers et Yves-Jacques, Journée d'Amérique. Journée d'Amérique. Bravo. Nous venons de recevoir un télégramme d'un grand comédien français, omniprésent sur le grand écran. À l'instar de l'homme qui plantait des arbres, on pourrait dire de lui que c'est l'homme qui, depuis quelques années, c'est l'homme qui hante le 7e art. Donc, c'est un télégramme de M. Philippe Noiret. Repartir à zéro. Ah,
si on pouvait reculer les aiguilles de notre grande montre géologique, dont le tic-tac mesure trop souvent la démesure humaine. Ah, si on pouvait. Un simple petit retour en arrière, fût-il de 100 ans, ne serait-il pas suffisant pour nous permettre de ne pas répéter certaines erreurs? Je crois qu'au fond, ce que Joe Bocan a voulu nous transmettre, c'est qu'il faut repartir à zéro dans le creux de son cœur, ici et maintenant, pour le mieux-être de nos enfants et pour la suite du monde. Philippe Noiret. Sur des paroles de Daniel Faubert, une musique de Germain Gauthier, voici interprétée par deux jeunes vedettes de notre cinéma, Fanny Lauzier et Guillaume Le Métis Vierge, Repartir à zéro. Jouer à la roulette, à qui sera le premier à faire sauter la planète. Revenir en arrière à des temps primitifs, retrouver l'eau et l'air, est-ce un rêve naïf? Avant Adam et Ève, le serpent et la pomme, inventer un pays qui n'appartient à personne. Repartir à zéro. Repartir. Vers un nouveau monde, ne plus vivre aux abois, quand la menace gronde, quand le moindre building ressemble à un bunker, ne plus courber les chines, avancer sans avoir peur. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, à des années-lumière et ta main dans la mienne. Allez, où tu rêves, ne serait-ce qu'un instant, mais faire durer la trêve et voir se lever le vent. Repartir. C'est la première grande chanson de Luc de La Rochelière, celle qui va lui rester collée au cœur toute sa vie. À 23 ans, il est de la race des grands auteurs-compositeurs et de l'avis même de M. Jean-Pierre Ferland qui lui envoie ce télégramme. Extraordinaire! Rime avec de La Rochelière. Puis c'est pas par hasard, c'est un gars qui a du talent puis de la classe. Dans son genre, c'est un vrai petit roi. C'est pas mêlant, il me fait penser à moi, à mes débuts. Quand, tout comme lui, j'avais les cheveux courts, puis ma face de petit cul. Dans ce temps-là, l'Amérique était moins amère, alors on chantait tout simplement « God is an American ».
Félicitations, mon Luc, puis bonne chance, t'as assez de charisme pour remplir des centaines d'autobus du show business. Et c'est signé Jean-Pierre Ferland. De Luc de La Rochelière, voici interprété par Carole Lockwell, Grégory Charles et les danseurs sous la direction de Dominique Giraldo, Amer America. Carole Lockwell et Grégory Charles. Merci. Ce n'est plus un secret pour personne, Rock Voisine obtient présentement un succès monstre en France. À peine au début de sa carrière, il triomphe déjà au Zénith. Tout le Québec s'en réjouit et toutes les Québécoises s'en ennuient. À ce sujet, j'ai reçu un télégramme de Michel Drucker. Eh oui, le succès de Rock Voisine en France ne m'étonne pas. Bien sûr, cette chanson, bien sûr, cette musique, bien sûr, cette interprétation, mais tout d'abord, l'artiste, Rock Voisine, parlons-en. Le saviez-vous? Rock Voisine, natif du Nouveau-Brunswick au Canada, est un descendant direct, en ligne directe, de Roland Voisine. Oui, Roland Voisine qui a quitté le port de Saint-Malo pour la Nouvelle-France dès 1640.
Et chose même plus étonnante, d'après nos recherches, c'est Roland Voisine lui-même qui aurait écrit cette célèbre chanson à Saint-Malo, beau port de mer. Qui l'eût cru ? Formidable, n'est-ce pas, que Roque Voisine fasse un malheur en France, ce n'est qu'un juste retour des choses, eh oui, au pays de ses racines, au pays de ses ancêtres, ce petit voisin qui nous voisine, français un jour, français toujours. Le tube, Hélène, ce soir, lui sera interprété par le groupe Art Rouge. Hélène, Art Rouge, Hélène, on écoute. S'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos yeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer, l'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés, enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin Mon cher Jerry, quel travail remarquable Michel Rivard et toi avez accompli avec cette splendide chanson « Toujours vivant ». Il faut dire que cette chanson a trouvé un compositeur-interprète hors pair qui lui a donné tout son sens. On sait que tu n'as pas pu être avec nous ce soir, mais on sait aussi que tu te joins à nous par le biais de la télévision et que tu nous regardes. J'aimerais que tu saches que nous tous, on est avec toi. Ton ami Claude Dubois tenait absolument à te faire, Jerry, un cadeau.
Et c'est un beau cadeau, je crois, qu'il te donne ce soir avec les yeux et la voix du cœur. Claude Dubois, toujours vivant. Depuis toujours, depuis très longtemps déjà, la chanson québécoise a contribué, et ce pour beaucoup, à faire de nous tous une société distincte. Avec mon ami Daniel Mercure, on a voulu aller faire un petit voyage dans le temps en essayant de se souvenir des noms, des titres, de certaines mélodies qui sont restées là, gravées en mémoire, depuis Félix jusqu'à ce soir. Donc, 30 voix pour 30 ans de chansons. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Je suis de nationalité québécoise, française. Et dire que les colombes de la rue des Sèves. Avez-vous remarqué sur le trottoir, c'est le temps des vacances, quand les bateaux s'en vont. Qui est cette belle inconnue? Héloïse, Héloïse,
vieux rien. Oh, rien sur le perron. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle. Comme j'ai toujours envie d'aimer, chacun son refrain, chacun son refrain. Il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec, l'ombre dans un veuil, moriront dans des. Moi j'aime le Bitibi, moi j'aime le Bititibi. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Dis-moi c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles. Aimes-tu la vie comme moi? Y'a pas de chanson pareille. Dimanche au soir, château gay, les pieds pendants au bout du quai. Les pieds pendants au bout du quai. Heureux de printemps qui me chauffe la coin, tu risques d'avoir manqué encore un hiver. Je voudrais voir la mer, femme de rêve, femme d'espoir heureux. Elle seule comme avant. Avant les menaces et les grands tourments, c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Y a dans les chansons beaucoup de leçons. Merci. C'est un petit voyage dans le temps. Eh bien, tout ça aide un cue card quand même. Approche-toi, ça vient de temps. Mais ouais, ouais, allez, allez. Oui, c'est ça, on l'a vu, tout le monde l'a imaginé. Toutes les chansons primées chaque semaine sur le réseau Radio Mutuel sont éligibles au Grand Prix. Donc, à compter de minuit ce soir, je vous explique, et durant toute la semaine, vous entendrez la première chanson primé en vue du Grand Prix de l'an prochain. Voici en grande primeur Aboutiel et Marjo. S'éveille
espèce de point culminant, si tant est qu'il y en ait des fois. Bon. Parce que pourquoi nécessairement c'était, parce que t'avais gagné gens... Non, pas nécessairement parce que j'avais gagné. Moi, j'aurais été là si j'avais pas gagné aussi. Oui, absolument. Ben, sûr, comme tu y étais, absolument. Et t'avais pas gagné, cette fois-là. Ouais. Bon. Et mais surtout, parce qu'il y avait des gens ensemble du métier qui étaient d'accord pour qu'il se passe et qu'il se soit passé quelque chose. Et puis, on avait une espèce de jugement démocratique par sondage qui était une nouvelle manière d'aller chercher le jugement du peuple. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé quand il m'a vu passer. Il s'est mis à crier. Mesdames et messieurs, pour nous dévoiler le nom du gagnant ou de la gagnante de ce soir, voici l'interprète de la chanson gagnante de l'an dernier, Joanne Blouin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très honorée de dévoiler le gagnant ou la gagnante. Tu sais, Jean-Guy, cette année, il y a une nouveauté. Ah oui? Il y a une belle voiture Mazda Miata. Oui, je sais ça. Mais moi, j'aimerais savoir une chose. De la part de M. Vigneault et de moi, on aimerait savoir si ça pouvait être rétroactif. En passant. OK. La chanson gagnante. Joe Bocan, repartir à zéro, bravo! Joe Bocan! Pour remettre le Grand Prix à Joe Bocan, j'invite M. Rénal Brière, directeur général de CJMS et vice-président à la programmation de Radio Mutuelle, ainsi que M. Robert Dozac, directeur pour le Québec des concessionnaires Mazda du Grand Montréal. Vous savez, en plus des honneurs, le gagnant, de la gagnante plutôt de ce soir, se retrouve propriétaire d'une magnifique Mazda Miata. Oui. J'aimerais parler parce que je voudrais dire que ce concours-là n'a pas beaucoup parlé des auteurs-compositeurs et que je ne suis que l'interprète de cette chanson. C'est un texte de Daniel Faubert et une musique de Germain Gauthier. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important pour moi de le rementionner. Merci. Est-ce que je pourrais me permettre, Jo, de vous prêter un microphone et prendre... Oui? Oui. Ah, parce que... Oui, d'accord. C'est permis, c'est permis. Moi, je vais prendre les clés, je vais aller faire un tour en attendant. Et ça nous ferait drôlement plaisir si on pouvait réentendre, repartir à zéro. Joe Bocan! Quand la menace gronde, quand le moindre baiser
ressemble à un banquet. Ne plus courber l'échine, à penser sans avoir peur. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, à des années-lumière, et ta main dans la mienne. Aller au bout du rêve, ne serait-ce qu'un instant, d'éclairer durer la grève, et voir se lever le vent. Merci Joe Bocan, merci à tous les participants, merci aux choristes, aux musiciens sous la direction de Daniel Mercure, merci à vous tous en studio, merci à vous à la maison, à l'année prochaine, c'est un rendez-vous. Bonsoir. Grand Prix Radio Mutuelle de la chanson québécoise était une présentation de Télémétropole en collaboration avec CJMS 128 et les concessionnaires Mazda du Grand Montréal. Deviennent trop souvent des tragédies. Des malheurs pourraient être évités si seulement on posait le bon geste. La Croix-Rouge apprend à sauver une vie, ce soir, 22h. Mais auparavant, Diane Jules vous livre son journal intime.